Aujourd'hui, on retrouve Angélique Chéphène, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice de l'école de musique d'Anor et la directrice administrative du festival Cuivre en Or, donc, qui se déroule bientôt à Anor. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer le but de votre manifestation à Anor? Oui, bien sûr. Donc, le festival Cuivre en Or, c'est sa 4e édition cette année. Donc, ça a été à l'initiative d'un musicien, particulièrement de l'école de musique d'Anor, qui souhaitait qu'on mette en valeur la famille des instruments, les cuivres. Donc il a sollicité tout d'abord Fabien Walran, Fabien qui est notre directeur artistique maintenant, et qui est tubiste solo à l'Opéra de Paris. Donc ce festival s'est créé sur la base de trois concerts pendant tout un week-end, donc généralement c'est le dernier week-end du mois d'octobre, et cette année donc, nous ne dérogeons pas à la règle puisque ces trois concerts auront lieu effectivement les 24, 25 et 26 octobre. Donc pour cette 4e édition, nous avons souhaité innover un petit peu, donc nous proposons plusieurs choses par rapport aux années précédentes. On propose tout d'abord des masterclass, donc qui sont à destination donc, des différents musiciens du secteur, de la région et même éventuellement de régions un petit peu plus éloignées. Donc on a une première masterclass qui aura lieu le vendredi avec l'ensemble Flash Brass, donc masterclass de cordes, de trombone, de trompette et de tuba. Et qui aura lieu donc sur toute la journée. Le soir, il y aura donc un premier concert, le concert donc de l'ensemble Flash Brass en première partie. Et puis en deuxième partie, nous aurons donc Vladimir Dubois, qui est cor solo à l'Opéra de Paris et qui se produira en récital, donc accompagné d'un pianiste. Nous avons donc, j'enchaîne directement avec le deuxième masterclass. Donc nous avons la deuxième masterclass qui aura lieu, elle, le dimanche soir et qui sera animée par l'ensemble Epsilon. Le dimanche matin, pardon, je me trompe, c'est le dimanche matin. Donc qui sera animée par l'ensemble Epsilon et qui sera réservée aux instrumentistes du cycle 3. Donc vraiment des très bons musiciens. Donc pareil, toujours pour les mêmes instruments. Et puis cet ensemble Epsilon se produira, lui, le samedi soir à partir de 20h à l'église d'Anor. Et nous aurons donc un dernier groupe qui se produira, lui par contre, au gymnase à 17h le dimanche et qui s'appelle le German Brass. Alors je souhaite en rajouter un petit peu sur le German Brass parce que c'est vrai que c'est un groupe exceptionnel qui à l'heure actuelle est considéré comme un des meilleurs ensembles de cuivre du monde. Hein. Donc c'est vrai que nous avons énormément de chance de l'accueillir à Anor grâce à Fabien Walran et c'est vrai que je pense qu'il faut... que les gens autour de nous soient informés pour qu'ils puissent se présenter donc, à ce concert du dimanche. Alors ça, c'était une de nos premières innovations, les masterclass cette année. Et puis on a décidé également de proposer des concerts gratuits, puisque ces trois concerts, bien sûr, sont payants, puisque nous accueillons vraiment des grands noms de la musique. Et puis nous proposons également le samedi, à partir de 11h, un concert de l'Harmonie d'Anor, l'Harmonie Musique Anor, qui donc vous proposera un programme très varié, musique de film, musique classique, musique de variété. Et puis à 14h, nous accueillerons donc à la salle des fêtes également un deuxième ensemble qui vient de se créer, mais qui est déjà très très prometteur. Il s'agit du Brass Band du Hainaut, donc encore un ensemble instrumental qui met en avant tous les instruments issus de la famille des cuivres, et qui sera dirigé par Thibaut Brugnot, donc jeune compositeur et professeur au Conservatoire de Lille, donc qui dirige ce Brass Band du Hainaut. Nous avons donc également en parallèle sur cette journée du samedi une foire aux instruments. Donc des marques d'instruments seront représentées donc à la salle des fêtes. Et puis également les personnes qui souhaitent revendre leurs instruments ou des méthodes d'instruments, etc. seront présentes lors de cette manifestation durant tout le samedi à la salle des fêtes. Alors en ce qui concerne les différents tarifs, ils sont un peu complexes puisque nous proposons des passes, nous proposons également des tarifs par soir, mais sachez qu'il est possible d'avoir des places réduites, notamment lors de vos réservations en pré-vente auprès de l'Office de Tourisme de Fourmies. Donc je vous redonne le numéro, c'est le 03 27 61 16 79. Donc à titre indicatif, une pré-vente pour les trois concerts, donc trois concerts du vendredi, samedi et dimanche élèvera à 23 € pour les adultes, alors qu'en vente directe au guichet le soir des concerts, pour un pass, nous serons à 26 €. Et puis nous avons des tarifs également pour assister aux concerts, à un ou deux concerts, si vous ne souhaitez pas assister aux trois concerts du week-end. D'accord. Donc, on peut aussi insister sur le fait qu'il y aura bien sûr donc, des places à gagner sur la page Facebook donc, de Ça bouge en Sud-Avesnois.
Donc voilà, c'est tout simple. Pour vous qui regardez cette vidéo, il suffit juste de partager sur votre mur, et bien sûr si vous pouvez faire de la pub forcément pour Cuivre en Or, pour remporter donc, on l'a dit, donc 2 places pour chaque concert à gagner, qui seront donc tirées au sort la semaine du festival et à remporter chez vous. Voilà, mais JTFM, vous avez peut-être une autre question, quelque chose d'autre à aborder, non ? Non, non, venez nombreux, profitez-en, c'est vrai que c'est un moment exceptionnel, on a très peu de communes comme la nôtre qui ont la chance de pouvoir accueillir des gens avec autant de renommée, en tout cas autant de prestige, donc déplacez-vous, faites cet effort, je suis sûre que vous ne serez pas déçus, et profitez de ces moments qui vont être, je suis sûre, très agréables. D'accord, bon, bah, le rendez-vous est pris, donc un rendez-vous musical à Anor. Merci Angélique. Merci.